Antoine Monchecourt, si je l'ai bien prononcé, je ne sais pas. Vous allez nous parler de la présence des femmes dans les métiers de la data. Et vous allez peut-être nous expliquer aussi les métiers de la data. Donc bonjour, je m'appelle Antoine Monchecourt. J'ai fondé Data University il y a un peu plus d'un an. Donc c'est une école spécialisée dans la transition professionnelle pour les métiers de la data. Donc on apprend aux personnes à devenir data scientist ou data analyst sur des périodes de 3 à 7 mois. Les transitions professionnelles, alors c'est l'équivalent de la reconversion, sauf qu'on capitalise sur les connaissances des personnes au moment où ils arrivent dans la formation. C'est-à-dire qu'on ne change pas totalement de métier, mais on s'appuie sur une expérience qui sera métier ou technique, pour ensuite leur permettre d'optimiser leur profil sur des métiers qui sont assez émergents comme la data science. Donc la data science, c'est l'analyse des données, c'est comment à partir d'un volume important de données, on est capable de réaliser des analyses ou des prédictions, ou créer de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui si vous prenez l'avion, il y a de grandes chances que le prix de votre billet soit calculé sur un volume de données important afin de remplir l'avion, etc. Donc en 2015, les personnes en transition professionnelle, c'est un actif sur 4, presque 7 millions de personnes. Donc ça touche quand même une grosse partie de la population. Et ce qu'on constate, c'est que dans 80% des cas, les personnes qui ont fait une formation trouvent un emploi dans le domaine où ils ont fait la formation. Donc ça représente quand même pas mal un gros intérêt de réaliser une formation dans un cas de transition professionnelle. La transition professionnelle peut être d'ailleurs souhaitée ou pas. Ça peut être des gens qui se retrouvent dans des situations de chômage ou simplement qui ne supportent plus leur travail et qui décident d'en changer. Voilà. Donc nous, ce qu'on propose, donc je l'ai dit avant, hein, c'est deux parcours, un parcours de 3 mois suivi d'un autre parcours de 3 mois sur data analyst, data scientist. La différence entre data analyst et data scientist, c'est en fait le niveau de technicité qui va être un petit peu plus différent. Donc voilà, un data scientist va faire des choses supplémentaires que ne fait pas forcément un data analyst au niveau des statistiques et de l'analyse des données. Donc voilà, on a 3 options au niveau de la formation. Sur la deuxième partie de la formation, on peut travailler dans la data visualisation, c'est-à-dire comment représenter des données. Aujourd'hui, un volume de données, on ne peut le comprendre et le partager qu'à travers des graphiques, puisqu'on ne peut pas lire toutes les données et les mémoriser. Ensuite, il y a le parcours infrastructure, qui est plutôt prisé actuellement, puisqu'on est au démarrage de la data. Donc l'infrastructure, ce sont toutes les machines qui vont être mises en place, les logiciels, qui vont permettre en fait de collecter les données, de les stocker, de les travailler par la suite. Et le parcours intelligence artificielle qui là va permettre de créer soit des réseaux de neurones, des formes d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus répandues aujourd'hui. Quand on va sur Internet par exemple ou sur n'importe quel support, on peut même voir des projets assez intéressants d'intelligence artificielle comme le chien de Google qui marche tout seul, qui est capable de se restructurer, ou le vélo qui est parfaitement droit, qui ne peut pas tomber. Donc voilà ce qu'on fait un peu. Hop. Alors, sur la parité homme-femme dans notre formation, moi j'ai fait des études d'informatique, et quand j'étais à l'université, dans ma classe, il n'y avait que des hommes. Il y avait très peu de femmes, finalement. Et quand j'ai fondé Data University, je me suis posé la question, est-ce que ça va être la même chose? Est-ce qu'on va avoir que des inscriptions d'hommes? Et finalement, ce qu'on constate sur les statistiques qui sont là, c'est qu'on a quasiment une parité sur les personnes qui sont intéressées pour faire la formation. Alors là, je suis un peu loin pour le voir, mais on a 42% de femmes et 57% d'hommes, ce qui est quand même représentatif. Voilà, donc mon inquiétude n'était pas fondée, puisqu'on a, en termes d'inscription, quasiment autant d'hommes que de femmes. Et bien sûr, dans les formations, on a aussi également autant d'hommes que de femmes, quasiment. On retrouve cette représentation aussi au niveau des personnes qui suivent notre formation. Donc ce qu'on a voulu faire, ça aurait été un petit peu dommage d'avoir autant d'hommes que de femmes et d'avoir que des mecs qui font les cours de code ou les cours techniques, puisque ça n'aurait pas été logique finalement. Donc on s'engage aussi à avoir sur les cours, que ce soit des cours de statistiques ou des cours de mathématiques ou des cours de développement, d'avoir autant d'hommes que de femmes parmi nos formateurs pour qu'il puisse encore y avoir cette logique de parité dans un métier comme la data. Et ça va même jusqu'au niveau des jurys, puisque dans les jurys, on s'impose 50% d'hommes et 50% de femmes
pour que ce soit aussi également la même chose. Voilà. Comment vous expliquez le fait justement de ne pas, enfin, d'avoir obtenu cette parité ? Est-ce que c'est parce que vous aviez cette crainte et que vous avez communiqué différemment, montré que vous aviez créé les formations d'une manière déjà plus dans une tendance égalitaire, ou qu'est-ce que... Alors on en a beaucoup parlé justement, on a essayé d'anticiper cela, évidemment. Après, pour être totalement transparent et honnête, c'est le hasard qui fait que ça intéresse autant les hommes que les femmes. On ne peut pas prouver ni savoir aujourd'hui pourquoi il y a une parité sur les demandes et les inscriptions. On a bien des pistes, des hypothèses, notamment celle qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du marketing qui s'inscrivent chez nous, qui sont plutôt des métiers féminins. Alors là, pour le coup, c'est l'inverse, les métiers de la communication. Mais également aussi une forte dominante statistique, où on constate aussi que c'est plutôt féminin comme environnement. Donc comme on a des étudiants qui viennent d'un peu tous les domaines, ça paraît cohérent qu'on ait aussi un équilibre entre les informaticiens, les statisticiens et les personnes du marketing. Ce sont des formations que l'on peut faire en étant au sein d'une entreprise, en ajoutant cette formation, ou bien c'est plutôt quand on est en période de chômage et de recherche d'emploi ? Alors nous, on est spécialiste de la transition professionnelle. Cela ne veut pas forcément dire que ce sont des personnes qui sont dans des situations de chômage. Ce sont aussi des salariés d'entreprise que les entreprises nous envoient. Ce sont des personnes qui ont envie de changer d'univers, de compléter leur formation. Parfois aussi, alors c'est surtout sur les profils marketing, qui ont envie d'aller plus loin dans la compréhension des données, etc. Et puis on a aussi des personnes qui sont en situation de chômage et qui nous disent « voilà, je sais que c'est un secteur porteur, j'ai plus envie d'être dans une situation de chômage ». Et ça, c'est aussi très représenté chez nous. En termes de prise en charge, ça va être ou bien par l'entreprise qui accepte de financer la formation pour sa collaboratrice ou son collaborateur, ou bien à titre individuel, comment ça se passe ? Il y a une prise en charge ou pas financière ? Alors, quand c'est l'entreprise, l'entreprise peut ou ne prend pas en charge. C'est pas systématique. Donc, soit c'est un contrat pro en alternance, mais comme chez nous, les personnes ont tous déjà un bac plus 4, bac plus 5, et ont parfois des professions qui sont intéressantes, repartir sur un SMIC, c'est parfois un petit peu compliqué sur un contrat pro. On a vu des entreprises qui finançaient la formation et qui payaient 36 KE brut annuel la personne qui faisait la formation, parce qu'on est vraiment dans un domaine où il y a une pénurie assez importante. Quand c'est pas financé, que ce sont des personnes qui sont dans des situations de chômage, il y a souvent justement des négociations avec Pôle emploi. Mais on prend aussi le CPF, donc en fait on a aussi des gens qui font des prêts pour pouvoir faire la formation. On a un partenariat avec une banque, bon, voilà, c'est avec un différé de 12 mois sur le remboursement du financement, sachant qu'on s'est engagé pour être sûr de toujours bien faire notre travail, parce que finalement une école, ça, si c'est pas pour trouver du travail, ça sert à rien. Donc tous les étudiants qui n'ont pas trouvé de travail dans les 3 mois qui suivent la fin de la formation les remboursent. Donc comme le différé du prêt de 12 mois, ils peuvent rembourser la banque s'ils ne trouvent pas de travail. Effectivement. Vous avez combien de personnes en formation en fait ? C'est par cycle, comment ça se passe ? On commence un cycle de formation tous les 4 mois, donc en janvier, en mai et en septembre. Et on a toujours 2 promotions en parallèle. On a des effectifs de classe de 10 personnes maximum, puisque ça correspond à la capacité d'absorption du marché en termes de data analyst, data scientist. Et voilà, on a des petites promotions. On essaie de faire du travail individualisé, personnalisé, justement, pour pouvoir les suivre, y compris dans leur projet professionnel et sur l'employabilité. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation.